En juin 1977, il y a un peu plus de 40 ans, trois sociétés coopératives de taxi, Barco, Taxicop et GAT, détentrices de quelque 1100 licences, scellèrent une communauté de destin en se regroupant sous la bannière du groupement GESCOP. Elles créent ainsi le pôle coopératif du taxi parisien. Parmi la diversité de statuts, artisans, locataires, gérants, la forme coopérative est sans doute la plus originale, puisqu'elle associe des indépendants et qu'elle donne à ces indépendants une force collective. Le groupement GESCOP a fait la preuve de sa pertinence, 40 ans c'est l'âge de la maturité, et en même temps le groupement est l'héritier de ces coopératives de cochers parisiens qui au XIXe siècle avaient fait également le choix de la coopération, de rassembler leurs énergies et leur savoir-faire pour devenir leur propre maître. Ainsi en 1886, il existait sur Paris 26 sociétés de cochers organisées en coopérative. Pour en revenir à GESCOP, le point de bascule sont les années 60. Au cours de ces années, deux compagnies parisiennes souhaitent se désengager de l'exploitation directe du taxi, jugée peu rentable, et elles vont organiser le transfert de leur capital vers les chauffeurs. Pour cela, elles vont utiliser un véhicule juridique, l'ordonnance sur la participation des salariés d'août 1967, et une fois que cette cession des actifs sera faite au profit des chauffeurs, ceux-ci vont décider de se transformer en SCOP, en société coopérative et participative, pour mieux traduire entre eux les liens d'associés. Alors à l'époque, le statut coopératif était novateur, il suscitait à la fois la jalousie mais surtout l'inquiétude. Dès l'origine, les banquiers vont couper le robinet et la préfecture de police, l'autorité de tutelle, va mettre en garde cette nouvelle entité en leur expliquant qu'ils avaient en fait un an pour faire leurs preuves, faute de quoi elles reprendraient les licences. À l'époque, il y avait un véritable enthousiasme. Les pionniers, Pierre Houdin ou Guy Briard, racontent qu'ils se réappropriaient leur métier et que c'était une manière de réinventer leur propre pratique. Ils y voyaient trois atouts. D'abord, l'apprentissage de la démocratie, puisque dans une coopérative, les dirigeants sont élus. Donc, il y avait un contrôle par l'ensemble des associés, des dirigeants, une meilleure maîtrise des coûts par la mutualisation des moyens et en même temps, la capacité de poursuivre son activité en étant indépendant, mais en étant également dans une structure collective qui donnait à la fois de la cohérence et de la force. Pour mieux traduire en droit l'indépendance et les liens tissés entre les coopérateurs, en 1978, ils décident d'opter pour le statut de locataire coopérateur. Alors qu'est-ce que ça change? Socialement, ils ne sont plus soumis au droit du travail, mais reste affilié au régime général de la sécurité sociale, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et ce qui est la garantie d'un système protecteur. Fiscalement, leur régime s'assimile à celui des artisans. Alors dans cet équilibre entre la recherche de l'efficacité économique et en même temps un souci de justice sociale, si le groupement a pu créer des filiales pour améliorer leurs services, mais également une mutuelle, mais aussi l'intégration du central radio Alpha Taxi, ils ont pu le faire car le but de la coopérative, comme les entreprises de l'économie sociale et solidaire, n'est pas d'enrichir des patrimoines personnels, mais de produire des biens et des services utiles à tous. Ils ont également le souci de leur environnement, en créant évidemment l'application Alpha Taxi, mais également en militant de la mobilité pour tous, ils ont été les premiers à éditer une carte en braille, de manière à permettre aux malvoyants de pouvoir utiliser le taxi. Ils ont également des partenariats avec l'établissement français du sang et son partenaire des salons du livre de Chaville et d'Issy-les-Moulineaux. Mais il y a quelques années, avec l'apparition d'Uber, patatras. Alors, il ne faut pas s'y méprendre. Uber n'est pas un concurrent comme un autre. Son fondateur, Travis Kalanick, s'est présenté comme un chef de guerre. Son ambition était d'éradiquer toute concurrence de manière à avoir une position de monopole et notamment se présenter comme l'ennemi des taxis. Pour déstabiliser le marché et en même temps faire parler d'Uber, les dirigeants d'Uber ont conçu l'application UberPop qui permettait à n'importe quel quidam de pratiquer en toute illégalité l'activité de taxi. Cette application a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris et les juges dans leurs commentaires ont souligné la volonté manifeste des dirigeants d'Uber de contourner la loi. Mais le mal était fait.
entre l'apparition de cette application et les décisions de justice qui sont toujours plus longues, Uber était dans la place. Alors l'application en elle-même n'est qu'un recyclage d'usages existants. Uber n'a pas inventé le service de transport aux personnes. Et en agrégeant l'offre et la demande, subventionnant largement son activité qui était à perte, il a écrémé le marché, mais au prix d'une précarisation des chauffeurs et en même temps d'une dérogation aux règles fiscales, ce que l'on appelle d'un mot poli l'optimisation fiscale, qui n'est au fond qu'une évasion fiscale légale. Tous les revenus européens d'Uber transitent par la branche hollandaise de cette société, qui elle-même est la filiale d'une entité immatriculée aux Bermudes, entreprise du Bermude qui est associée à une entreprise qui a son siège au Delaware, deux paradis fiscaux par lesquels Uber peut rapatrier ses bénéfices pour échapper au fisc. Alors, il y aurait beaucoup à dire, notamment sur les clauses illicites ou abusives relevées par le magazine UFC Que Choisir, mais également par la variation du prix des courses d'Uber, puisqu'elles sont réglées par un algorithme, mais également par la maraude électronique et les pratiques illégales. Il y a quelques années encore, Uber marchait sur l'eau, était à la mode, mais il y a comme une sorte d'inversion. La face cachée d'Uber apparaît désormais au grand jour, et je voulais vous lire un article très récent publié dans Les Échos qui écrit ceci. Les confiseries et boissons ont disparu. Les chauffeurs piégés par une entreprise leur refusant le statut d'employé et comprimant leurs marges sont épuisés par des journées trop longues. Ils n'ont plus l'énergie pour vous ouvrir la porte et conduisent de plus en plus mal. Il y a donc aussi, à travers cette activité, de plus en plus de problèmes de sécurité, et c'est la raison pour laquelle, récemment, Londres a retiré sa licence à Uber pour ces problèmes qui sont directement liés à la sécurité des passagers. Au-delà d'Uber, si on étendait l'ubérisation à d'autres activités, on constaterait quoi? D'une part, l'appauvrissement des États, avec le moindre entrée fiscale, et en même temps, une précarisation élargie, donc une sorte de régression sociale avec des fournisseurs de ces plateformes technologiques qui seraient cantonnés à des statuts précaires d'auto-entrepreneurs. En prenant l'exemple du taxi dans un livre récent, Uber, la prédation en bande organisée, j'ai voulu montrer que s'affrontaient deux grands modèles d'organisation économique. D'une part, le modèle californien, l'ubérisation, caractérisé par l'éclatement des métiers et l'atomisation du corps social, et d'autre part, le modèle de l'économie sociale et solidaire, plus soucieux de la place des femmes et des hommes dans l'entreprise et dans la société. En économie, il n'existe pas de loi naturelle, ni de déterminisme. Si l'ubérisation correspond à cette séquence particulière de la financiarisation du capitalisme, d'autres voix se font entendre. Ainsi, dans un sondage récent, 50% des étudiants des grandes écoles révélaient leur désir de travailler dans des organisations d'économie sociale et 82% des personnes interrogées se déclaraient favorables à ce que les collectivités territoriales investissent dans des projets d'économie sociale pour répondre aux besoins des territoires. Alors, militants de l'économie sociale, les dirigeants de Gescop Alpha Taxi sont avant tout des entrepreneurs et ils ont le souci de mieux faire connaître et mieux faire partager le statut tout à fait novateur d'indépendant associé. Mais ils attendent également que les pouvoirs publics fassent appliquer la loi afin d'éradiquer toute forme de pratique illégale de leur activité qui leur pourrit la vie. Et pour affronter l'avenir, les sociétaires d'aujourd'hui ont repris la devise des pionniers de Gescop Alpha Taxi: imagination, courage et fraternité. Parce qu'il va y avoir du monde, il va y avoir beaucoup de monde. Passez, passez, pas de temps, allez, c'est danger, coller, serrer, enfiler. Passez, passez, pas de temps.
Passez.